Salut les internautes, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo des voyages d'Auguste. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je suis seul. Oh, les filles sont pas là. Donc je les ai abandonnées à la maison pour venir dans le Pays de Retz. Donc actuellement, là, je suis sur le parking de Bourgneuf-en-Retz. C'est la baie de Bourgneuf, juste au nord de Noirmoutier, entre Noirmoutier et puis Saint-Nazaire à peu près, quoi, entre Noirmoutier et Préfailles. Il y a une dame. Donc oui, il y a une dame qui me demandait si je restais là pour la nuit. Non, je ne reste pas là pour la nuit, je ne sais pas où je vais aller dormir. Donc bah, pour le moment, on est à Bourgneuf, enfin je suis à Bourgneuf. Et puis je vais vous emmener voir le port du Collet. On va passer dans ce qu'on appelle le Marais Breton. Alors le Marais Breton, de mémoire, il faudra que je vérifie tout à l'heure sur internet, mais c'est un petit peu ce qu'a fait la fortune de la Bretagne pour la culture du sel. Voilà, bien avant Guérande, je crois, de mémoire, bien avant les marais salants de Guérande. Et on va aller au port du Collet, c'est à côté des Moutiers-en-Retz. Et puis après, on ira au Moutiers-en-Retz. Et puis demain, on verra si on va à la Bernerie ou pas. Je vais peut-être voir mon cousin aussi. J'ai de la famille dans le coin. Donc voilà, je vais essayer de décrocher les derniers concerts de la saison. Ouais, parce qu'en fait, je suis musicien. Voilà. Donc allez, on va au port du Collet. A tout de suite. Yeah. Alors le port du Collet, c'est une zone ostréicole. Donc il y a plein d'huîtres, hein, qui sont là-bas. D'ailleurs, ici à droite, c'est le Marais Breton. Donc il y a des petites baraques sympas perdues un peu dans le marais, là. C'est cool. C'est magnifique ici. Hein. Ouais, faut venir voir. Le problème, c'est que pour se baigner, c'est pas terrible parce que la baie de Bourgneuf, tout ce qui est les Moutiers-en-Retz, la Bernerie, c'est rempli de vases. Donc c'est super bien pour les gens qui ont des rhumatismes et tout ça. Ils peuvent se faire des bains de vases, voilà. Par contre, pour se baigner, c'est pas terrible. L'eau, elle est un peu crade. Vaut mieux monter du côté de Pornic. Bon, allez, je vous laisse, il y a un grand virage. Je vous laisse. Ouais, c'est vraiment mignon comme tout. Voilà, il y a quelques touristes qui sont là, super. Voilà, voilà. Et en face là-bas à gauche, c'est Noirmoutier. On voit pas très bien. Hein. Allez, on se reprend tout à l'heure. Donc, c'est magnifique, il y a les pêcheries, hein, c'est chouette. Donc voilà, tout là-bas, c'est Noirmoutier. L'île de Noirmoutier. Sympathique comme tout. Voilà. Salut les chevaux. On dirait des potocs. Sauf qu'ici on n'est pas dans les Pyrénées, donc il y a des grillages partout. Ah. Bon, ils sont quand même un peu en semi-liberté. C'est vraiment pas du tout pareil que le Marais de Guérande. Ici c'est beaucoup plus authentique. Attention. Hop. Salut les gens. Ouais, c'est chouette. Voilà, si vous voulez venir un jour, hein, n'hésitez pas. Là, j'ai repéré un petit air de camping-car. Enfin, un spot de camping-car juste avant. Là. Je pense que je vais aller dormir là-bas ce soir. Ça a l'air super sympa. Au bord de la plage, des pêcheries. Enfin, super. Allez, là, on va arriver au Moutiers-en-Retz. Il y a l'église qui est là. On va aller faire un petit tour là-bas. Allez, à tout de suite. C'est l'ancien casino des Moutiers. Les Moutiers, hein, la mer à la campagne. C'est exactement ça. Ouais, je l'ai fait souvent à vélo, cette rue. En fait, ça fait un petit moment que j'étais pas venu. Mais j'aime bien de temps en temps venir ici, parce que c'est vrai que j'ai passé pas mal de vacances. Pas mal de vacances ici, parce qu'à un moment, mes parents, ils louaient un terrain à côté.
facile, mettez la caravane. Et puis le big immeuble là, l'ancien casino, ça appartenait à un oncle. Et puis bah, j'ai un autre oncle qui avait une baraque là-bas. Maintenant c'est mon cousin qui habite là-bas. On va peut-être le voir tout à l'heure, je sais pas. On verra, c'est la surprise. Pardon. Je crois que de mémoire, elle doit être du 11e siècle, 11e ou 12e siècle, je crois. Et là, un monument exceptionnel. Il n'y en a pas beaucoup en France. Et il existe au Moutier-en-Retz. Ça s'appelle la Lanterne des Morts. Donc à chaque fois qu'il y a un mort dans la commune, alors je ne sais pas qui c'est le maire ou le curé, je ne sais pas. Il allume une lampe et donc la Lanterne des Morts, c'est clair, quoi. C'est signe qu'il y a un mort. Il y a un mort dans la commune et puis voilà, là, la petite place. L'été ici, il y a des concerts, c'est sympa. Là, il y a les gens qui jouent aux boules. Alors là, il n'y a personne, mais c'est vrai que l'été, c'est gavé, gavé, gavé de monde, quoi. Tout petit bled, j'adore. Ouais, donc c'est ça, 11e siècle. C'est vieux. Je crois que la Lanterne des Morts, c'est pareil, c'est 11e ou 12e siècle. Ça nous rajeunit pas, cette histoire. Allez, on va aller boire un coup. Hello ! Eh bien, nous voilà réveillés, douchés, changés, la totale. J'ai passé une super nuit dans un petit endroit, en autonomie. Je me suis planqué derrière, c'est un peu bruyant, je me suis planqué derrière un tas de feuilles, quoi, voilà, c'est un peu bruyant à cause de la route. Et puis là, je me retrouve à la Bernerie-en-Retz, sur l'aire de camping-car. Oh, y a un truc immense, là, un camping-car poids lourd, le Voyageur Liner, il est immense. Voilà, c'est assez chouette. Puis je vais aller faire un petit tour dans le bourg. Voilà, j'ai plus beaucoup de batterie à la caméra, donc on va essayer que ça tienne, on verra. Je vais vous montrer tout ça. Allez, à tout de suite ou à tout à l'heure. J'ai mangé, j'ai fait ma petite sieste, tranquille. Bon, bah vu que j'ai fait tout ce que j'avais à faire à la Bernerie, je m'en vais. Voilà, je m'en vais de la Bernerie et puis je vais aller essayer d'aller squatter à Taron. Voilà, Taron plage, on va voir quoi, ce qui s'y passe. On se retrouve là-bas. Je vais faire 2-3 images de la route. Ça s'appelle la route bleue, c'est magnifique. Puis voilà, ouais, salut l'air de camping-car hein, de la Bernerie. En pente, bon, sympa, mais rien d'exceptionnel. Voilà pour les amateurs. Et ciao, à tout à l'heure. Bien le bonjour, donc on est le matin et je suis toujours sur l'aire de camping-car de Taron. Il y a le monsieur là qui fait son petit bazar. Donc j'ai pas été voir la mer en fait, parce que hier soir j'étais un peu crevé, donc du coup je suis resté là. Et puis voilà, je vais faire ma petite vaisselle quoi, tranquille. Allez, je mettrai ça en accès, voilà. We'll be right back.
Taron-Plage, une commune de Saint-Michel et Chef. Chef. Les galettes Saint-Michel que tout le monde connaît, fabriquées juste à côté, là, à 3 minutes d'ici. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Voilà un peu le centre-ville de Pornic, c'est assez sympa. C'est un peu sur une colline et le port est juste en bas en fait. Là on voit quelques mâts des bateaux. Donc là on est en hauteur. Bon par contre je vais pas m'arrêter à Pornic, hein. Je rentre, faut que je récupère Roger 807, il y a le garage qui m'a appelé pour me dire que la voiture était prête. Donc je rentre à la maison. Et puis on reviendra par ici, peut-être dans une autre vidéo, on verra quoi. Autre direction, bah non, moi je vais par là, voilà. Ah ouais, parce que je connais. Pornic, super sympa, hein, c'est une petite cité de caractère. À quoi 45 minutes de Nantes, 40 minutes 40 minutes de Nantes du centre-ville, un truc comme ça. Donc bah il y a beaucoup de Nantais qui viennent ici le week-end. Pour se baigner quoi, parce que c'est vrai que c'est assez sympa. Voilà, hop, c'est ici. Là, et de l'autre côté, bah il n'y a pas grand chose. Voilà. Allez, salut Pornic.